personnelle chauffeuse. Sauf qu'il est tout sauf personnelle chauffeuse, hein. C'est plus du tout d'actualité. Elle est de passage à Paris, notre niçoise. Et on est dans un endroit trop canon, le Madison Café Les Puces. Vous savez, je viens souvent ici à Paris. La déco est canon de ouf. Vous voyez la déco avec les petites fresques, l'arbre en plein milieu. Et on va trop bien manger. Tu vas voir ce restaurant, il est incroyable. Focaccia, pas focaccia, toi c'est quoi? Si, toi c'est de la focaccia. Moi j'ai pris de la burrata, de la, les tartines. Bruschetta. Voilà. Eh ben ma chérie, tu es de toute beauté. Merci. Tu as vachement, comment dire? Non, faut pas dire ça, t'es avec les gens. Merci après ta grossesse. Non mais c'est vrai, t'as énormément perdu. Franchement, je veux pas dire le contraire. Faut que je sois diplomate parce que je vexe toutes mes copines. Anaïs, je lui dis t'es enceinte, elle me dit mais non. Non mais j'ai pris 38 kilos en 2 ans. Donc, 38? Bah 22 pour Bella, 16 pour Romain. Mais là t'es mince. Alerte, alerte, cette personne a une très mauvaise influence sur moi. Alerte, alerte, elle commande des pizzas 4 fromages et me donne envie. Du coup, je commande pareil, c'est trop. Mon rééquilibrage. Not tonight, but tomorrow. Mais vraiment, meilleure pizza de Paris. Ah, on est d'accord, c'est incroyable. Vraiment, cette pizza 4 fromages là, en fait, ça touche mon point G. Ah ouais, c'était une crêpe XXL, on s'attendait pas à ça du tout. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'assiette, elle fait la taille de la table. T'as pris ça pour toi tout seul, je t'ai pris signaler. Bah apparemment, mais bon, si t'en veux, prends-en.